Hey mes conjureurs et conjureuses, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et un nouveau concept sur ma chaîne. Je vais avoir 10 minutes pour créer une célébrité, une star. Et on va commencer avec qui? Avec Rihanna! Oui, je suis très contente de commencer avec elle. Voilà, j'avais très envie de faire ce petit concept, j'espère qu'il va vous plaire. Si vous avez votre star préférée, que vous avez envie que je la crée, dites-le-moi en commentaire, mettez-moi le nom de la star que vous avez envie que je crée. Donc voilà, on va avoir 10 minutes parce que quand je reproduis des gens, des personnages de séries, etc., je me mets le temps que je veux. Sauf que non, il faut s'améliorer, il faut level up. Donc, pour level up, on se met un timer de 10 minutes. Et j'espère vraiment que je vais réussir. Allez, on va tout de suite se retrouver sur les Sims. Donc, je suis tombée sur cette fille au hasard. Et franchement, je pense que ça va beaucoup m'arranger. Si j'étais tombée sur un mec, déjà, on aurait perdu un petit peu de temps. Écoutez, je vais mettre le timer. 3, 2, 1. C'est parti! Faut que je mette la photo, vite! Parce que je suis tout sur mon téléphone. Ok, très bien. Donc, il faut que j'attaque son visage. Le visage, c'est le plus important. Alors déjà, on va enlever les cheveux. Elle a pas du tout, du tout les yeux asiatiques. Mais alors, pas du tout. Le maquillage aussi. Dégage. Allez, allez, allez! J'aime bien me mettre des trucs avec des timers, je sais que vous aimez bien vous aussi. Ça peut être pas mal. Elle a les yeux verts, elle a les yeux verts. Un vert assez foncé quand même. Oui, voilà, ce vert-là. Ça ressemble pas mal du tout. Ok, on est pas mal, on est pas mal. Alors, elle a les yeux bien comme ça. J'essaie vraiment... De toute manière, vous allez avoir les photos en même temps. Hein. Moi, je l'ai sur mon téléphone. Le nez, par contre, est beaucoup plus large. Donc, on va essayer de le rendre magnifique, son nez. Comme elle l'a vraiment. Alors, déjà, déshabille-toi parce que là, tu me caches tout ton cou, ça va pas le faire. Dire déshabille-toi à ton Sims, très bizarre. Alors, au niveau du menton, son menton, il est assez fin. Sa mâchoire est assez fine. Oh, c'est compliqué, c'est compliqué. Alors, au niveau des sourcils, il me reste 8 minutes. Mon Dieu, mon Dieu. Ses sourcils, par contre, ils sont super beaux et bien dessinés, donc je vais peut-être passer sur des CC, ce sera peut-être plus simple. Ceux-là, ils ont une très très belle forme. C'est à peu près la même forme qu'elle. Il faut juste que je relève ici le bout. Comme ça, c'est plutôt pas mal. Hein. En vrai, c'est plutôt pas mal. Alors, les lèvres, par contre, c'est pas du tout ça. Hein. Là, il nous faut des lèvres extrêmement marquées sur le dessus. Et normalement, j'ai ça. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Ok. On va élargir. Parce que son arc de Cupidon est quand même bien marqué, mais assez élargi. En vrai, ça commence à être pas mal, non? Je sais pas. Je sais pas du tout. Ok, mettons une coupe de cheveux. Est-ce que j'aurai le temps? La couleur de peau. Attendez, je suis folle, moi. La couleur de peau, elle est beaucoup plus mate que ça. J'arrive pas à trouver la couleur que je veux. C'est compliqué. Je passe 3 heures sur la couleur, ça va pas le faire. Bon, on va rester sur ça. Je pense que c'est plutôt pas mal. On va rester sur ça. Faut que j'arrête de perdre du temps, là. Sinon, ça va être très, très, très complexe. Il me reste combien de temps? Il me reste 6 minutes. Ok, tout va très bien. Donc, là, en vrai, c'est pas mal. Il y a un petit truc. Ok, cheveux. Alors, elle a tellement de coupes de cheveux différentes. Sincèrement, ça fait pas très Rihanna, quoi. Si? Non, je sais pas. Je suis pas convaincue pour l'instant. Écoutez, on va laisser cette coupe pour l'instant, on va faire les détails de la peau parce que sinon on va pas y arriver. Je parle extrêmement vite, extrêmement vite. Alors, au niveau de la peau. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est magnifique. Je regarde ses photos, je suis là en mode sublime, just sublime. Déjà, elle a des magnifiques cils. Est-ce que je peux retravailler un peu son nez? Ah, c'est compliqué. Mais bon, on est bien, on est bien. C'est pas ça du tout la forme de visage. Ça veut pas du tout. Il me reste 3 minutes, les gens. Oh, mais c'est super compliqué. C'est méga giga compliqué. Ok, maquillage. Est-ce qu'avec du maquillage, ça pourrait passer? Non, mais même la coupe, ça va pas, là. Mais même la coupe, ça va pas. Non, 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 non. Ça me convient pas. Ça me convient pas du tout. En vrai, ces tresses-là, peut-être? Ou celle-là? Ah, il me reste plus beaucoup de temps. Oh non, mais c'est trop compliqué, les gens. C'est un truc de barjo. C'est un truc de barjo, comme c'est compliqué. Mais il n'y a pas une coupe qui me plaise, là. S'il vous plaît. Non, je vais pas y arriver. Je vous jure, je vais pas y arriver. Là, on part sur une défaite. Là, on part sur une défaite cuisante, là. Oh là là. Oh là 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 là. Là, on part sur une défaite très, très, très cuisante. On va lui mettre ça. Non, mais même. Je sais pas, là, ça ressemble pas assez. Ça ressemble pas assez à Rihanna, là. Ça va pas. Ça va pas. Il me reste pas assez de temps. Je l'ai même pas habillée. Oh, c'est trop dur. C'est trop dur. Mais c'est cool. C'est cool parce que plus c'est dur, plus on relève un défi. Et ça, c'est bon, ça. Ça, c'est très, très bon, ça. Elle a du blush, elle a du blush. Vite. Vite. Faut que je mette un bon blush, là. Ok. Oh là là. Non, mais les détails de peau et tout. Non, mais ça va pas. Ça va pas du tout. J'arrive pas. Qu'est-ce qui pourrait faire plus Rihanna? J'essaye, hein. J'essaye. Franchement, j'essaye. Je vous promets, je suis en essayage intensif, là. Non, peut-être ses yeux, ils sont pas assez rapprochés. Peut-être que ses yeux, ils sont plus bas aussi. Oh là là, c'est compliqué. C'est compliqué de fou. Oh non, je vais pas y arriver. J'arrive pas.
Elle est trop belle, je suis en train de la massacrer, Rihanna. Non, je suis désolée. Bon. Au niveau du corps, je sais pas trop comment elle est, là, niveau corps, actuellement, en tout cas. Moi, de ce que je me rappelle, elle était quand même pas mal voluptueuse, comme on dit. Alors, je sais pas si elle est très musclée non plus, je vais la mettre à moitié. Elle a un bon popotin. Bah là, en vrai, elle est pas mal, hein. Franchement, elle est pas mal. Redresse juste ton dos, ma poulette. Il me reste combien de temps? Il me reste 10 secondes! Elle est pas habillée! Elle est pas habillée du tout! Non! 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 C'est horrible! J'ai plus le temps! Oh pétard! Ok. Alors. là là, c'était pas facile, hein. En vrai, le visage, y a un truc, mais c'est super dur. Là, vraiment, peut-être que son front est plus grand. Peut-être, hein. Je suis en train de me dire, peut-être que son front est plus grand. Et donc, on peut baisser le reste. Ouais, je sais pas. C'est pas facile, hein, Rihanna. En vrai, de côté, ça ressemble. En vrai, de côté, ça ressemble quand même, hein. C'est pas mal de côté. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a un petit truc. Bon, la coupe de cheveux, j'ai pas trouvé celle que je voulais. J'ai pas eu le temps de mettre aspiration et tout. Les chaussures sont horribles, la tenue est horrible. Oh là là, la tenue que j'ai faite à Rihanna, là, c'est catastrophe, hein, catastrophe. Non, on va l'habiller un petit peu plus chic quand même, hein. C'est Rihanna, c'est pas n'importe qui. Voilà. Ok, cette robe, j'aime énormément. Peut-être que les talons, je peux mettre des talons encore plus violents, j'ai envie de dire. J'aimerais bien mettre des talons qui ne soient pas décessés. Bon, ceux-là, c'est décessé, mais je vous les ai déjà présentés 150 fois. On va lui mettre quand même du beau vernis à ongles. Celui-là, je pense qu'il est plutôt pas mal. Ouais, il est carrément pas mal. Au niveau des pieds, on peut rien mettre vu qu'elle a des chaussures ouvertes. Ok, peut-être qu'on peut lui mettre quelques bracelets, quelques petits accessoires. Au niveau de la coupe, vraiment, je suis dubitative, sincèrement. Après, elle a eu pendant un temps les cheveux courts. Hein. Non, mais non. Mais je sais pas, c'est peut-être la forme du visage qui me convient pas. J'ai vraiment essayé, hein. Franchement, j'ai vraiment essayé à donf, mais j'ai trop du mal. C'est peut-être les sourcils aussi, hein, qui sait. Ah, c'était celle-là de coupe que je voulais, que je cherchais tout à l'heure, comme pour sa photo. Ouais, écoutez, c'est pas facile en 10 minutes, hein. J'avoue, c'est pas facile. Là, je peaufine un petit peu pour pouvoir vous la partager quand même, mais c'est vraiment pas facile. Elle a des jolies petites boucles d'oreilles. Celles-ci, elles sont sympas en plus. On va les mettre comme ça, je pense. Ça pourrait être cool. En vrai, elle est pas mal, hein. Franchement, quand même. Ça va. Peut-être qu'elle a les joues un petit peu plus creusées. J'ai vraiment du mal avec la forme du visage. Écoutez, je pense quand même qu'on est sur une bonne base. Il y a une ressemblance. Il y a une ressemblance flagrante, tout de même. Tout de même, mais, peut-être aussi que les sourcils sont pas assez relevés. Peut-être que plus relevés, ça marche mieux. Peut-être que ses yeux sont un peu plus bas comme ça. J'essaye, hein, je tente des choses. Elle est reconnaissable, même si c'est compliqué. Écoutez, en 10 minutes, j'ai pas pu mieux faire, mais je trouve en tout cas que la cimette est belle. Hein. Pour jouer avec elle, elle est vraiment très 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 jolie. On a pas mal de choses qui se ressemblent. L'arc de Cupidon très marqué, le nez assez large. Peut-être que le nez, les arêtes sont pas assez larges. Il faudrait que ce soit les arêtes qui soient plus larges. Ou peut-être que j'ai pas mis le bon nez, hein, tout simplement. Hein. Alors, de profil, par contre, je trouve que c'est quand même pas mal. Hein. Ça, c'est quand même pas mal. Au niveau du nez, je l'ai un petit peu changé. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que c'est pas si mal, là. Y a un truc sympa. Écoutez, j'ai retravaillé son nez et je pense que là, ça va mieux. Je pense que le nez jouait beaucoup. Donc, c'est plutôt pas mal. J'ai fait uniquement la tenue quotidienne. Voilà, il faudra après ben, que vous fassiez les autres tenues si vous avez envie de la reprendre. On va au moins l'appeler Rihanna. Je vais l'appeler Rihanna Star. Donc, elle est dans la musique. Mais est-ce qu'on a un truc avec la musique? Je crois pas. Hein. La popularité, on va juste la mettre star de renommée mondiale. Ouais, célébrité. Célébrité de renommée mondiale, parfait. Elle est créative, hein, la chanson et tout, c'est être créatif. Elle aime la musique. Et on va la mettre quoi d'autre? On va dire qu'elle est ambitieuse. Très très bien. Eh bien écoutez, finalement, c'est pas si mal. Enfin, personnellement, peut-être que je me suis habituée à elle aussi, hein, mais je suis pas
je suis bien en fait, je suis plutôt contente. Bon, j'ai un petit peu peaufiné à la fin, c'est sûr qu'en 10 minutes, ça lui ressemblait pas du tout à fond, hein. C'était pas sa copie conforme. Mais là, ça va mieux, ça va mieux. J'espère que cette vidéo vous a plu, parce que moi j'ai grave aimé faire ce petit concept. 10 minutes, c'est court, mais c'est pas mal, parce qu'on se rend compte quand même qu'en 10 minutes, on peut faire des choses super belles. Genre les gens qui passent 3 heures sur leur Sims et qui se disent, oh, je suis jamais content, mettez-vous un timer, peut-être que ça vous ferait gagner du temps, hein, et que vous allez dire, oh bah finalement, la personne est très jolie quand même. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner en activant la cloche parce que ça me fait toujours super plaisir. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!